Salut Claire. Salut Serena. Quand est-ce que t'enlèveras enfin le plastique du canapé? Je trouve ça pratique. Il est là depuis tellement longtemps qu'il commence à virer au jaune. N'importe quoi. Ah, merde. Attention. Oh. Maintenant, tu comprends à quoi il sert. C'est bon, on déstresse. Viens manger sur le comptoir avec moi. Pourquoi? Le canapé est si facile à nettoyer. C'était bien tes cours hier soir? Bah, c'est des cours du soir. Pas sûr que j'assimile tout à une heure pareille. Alors pourquoi t'insistes? Concentre-toi sur la danse. C'est pas un vrai métier, si j'en crois ce que disent mes parents. Et toi, ça va à l'hôpital? Quoi de neuf? Oh, rien. Ça me fait penser qu'il faut que j'y aille si je ne veux pas arriver en retard. N'oublie pas de venir à la représentation de ce soir. Ça commence à 19h. Compte sur moi. Bonjour, monsieur Samuelson. Regardez ce qu'on a reçu pour vous. Elles sont superbes, non? Je souffre atrocement et tout le monde s'en moque. Le médecin attend les résultats de vos analyses. De quelles analyses? On m'a déjà piqué une bonne douzaine de fois. Je vous dirai quand le médecin aura eu des nouvelles du labo. En attendant, pourquoi ne pas profiter de ces fleurs magnifiques? Elles ne me plaisent pas. Et puis poussez-vous de là, j'ai un besoin pressant. Attention! Ça vient d'un admirateur secret? Elles sont à monsieur Samuelson, il n'en veut pas. Alors c'est ton truc, les vieux. Je te rappelle que t'as pas le droit de flirter avec les patients. Laisse, je m'en occupe. Merci, Jonathan. Y a pas de quoi. Des nouvelles de Maria? Non, aucune. Elle n'est pas censée reprendre le travail lundi prochain? En principe. Tu crois que Maria ne reviendra jamais? La rumeur dit peut-être vrai. On ne sait pas ce qui... On t'a demandé ton avis? Je vais fureter au bureau du personnel. T'as le temps de mâcher, si tu veux. Si je reprends avec une minute de retard, Lena va en faire une affaire d'État. T'as avalé celle-là tout rond? Comme si ça suffisait pas que Whitney et elle me collent tout le sale boulot. J'ignorais que les humains pouvaient avaler autant d'un coup. Ils sont très surprenants. Oh. Me dis pas que t'as recraché et que t'as remâché. Ouais. Mais enfin, qui fait ça? Les vaches? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Et t'as le droit de profiter de la vie une fois de temps en temps. Ça m'arrive. Et toi, ça va ta garde aujourd'hui? Assez calme jusqu'à maintenant. Je t'envie. Et c'est le pot de vin? Léna te lâchera peut-être si tu la soudoies. Tu me parles, elle aime trop me tyranniser. Ah. Parfois je me dis que je vais démissionner. Ben voyons, comme si t'avais pas bossé assez dur pour devenir infirmière. Je dis ça comme ça. Les patientes manqueraient. Prends ton mal en patience. Et garde la tête haute en attendant le retour de Maria. Non, c'est la même disposition que la dernière fois. Dis à Mike qu'il doit arrêter de faire comme on lui semble et sans concertation. Peyton, ça va, elle tient le coup. Mais la pauvre, elle est exténuée. Oui. Tiens-moi au courant. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre ta tension, d'accord? D'accord. Ton opération s'est bien déroulée. Le chirurgien a parlé de péritonite. Oui, c'est pour ça que Peyton est sous traitement antibiotique. Oh, c'est Mike, je dois répondre. Je serai juste devant la porte. Allô? Je t'écoute. C'est pas trop tôt. Comment tu te sens? Crevée. Quand le médecin a retiré ton appendice, il a vu qu'il était infecté. Sa paroi s'est rompue et l'infection s'est répandue dans ton ventre. Et ça, ça peut être embêtant. Mais je vais m'en sortir. Oui, tu seras sur pied dans quelques jours. Mais tu dois me dire comment tu te sens. D'accord, je vous le dirai. Tu fais de la danse? Ah, oui. Ma meilleure amie est danseuse. Je vais la voir ce soir au Metropolitan. Oh, c'est vrai? Oui. Oh, je rêve de danser sur cette scène. Je te fais un rapport demain. Oui. Oh, te voilà enfin. Le patient de la 412 a vomi. Oh, j'ai fini ma journée et j'ai un rendez-vous. C'est pas ton patient? Si, et alors? Si tu ne veux pas que je te colle un mauvais rapport dans ton dossier, tu vas nettoyer ce vomi. Ça a commencé. Oui, je suis en retard. Vous êtes au balcon, l'ascenseur est juste là. Ça sent bon. C'est pour la réception après le spectacle. J'espère que je n'ai pas tout manqué. C'est un des membres de la troupe qui m'a invité. Non, 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 non.
pas, tombe pas, tombe pas. C'est rien, il est seulement bloqué. Pourquoi y a plus de lumière? Il doit y avoir une coupure de courant. Y a un interphone d'urgence? Non, seulement un bouton. Oh là là, je sens que je vais m'évanouir. Mais non, voyons, asseyez-vous. D'accord. Oh, je respire plus. On n'a plus d'oxygène. Mais si, respirez et tout ira bien. Vous êtes claustrophobe? Non, non. Vous en êtes sûr? Mais je vais mourir. Vas-y vite, calmez-vous. Inspirez et expirez doucement. Voilà, tout va bien. On recommence? Pas de panique, je vais bien joindre quelqu'un. Vous entendez? Ça va aller. Allez. Je capte pas. Saleté d'ascenseur. Oh! Doucement, doucement. Eh oh! On va rester coincé là-dedans pour toujours. Mais non, quelqu'un va finir par nous ouvrir. Non, il n'y a rien à faire. Bon. Apparemment, le spectacle n'est pas interrompu. Tout le monde est encore dans la salle. J'espère que ma batterie va tenir. Au moins, on ne mourra pas de faim. La timbale du milieu, c'est 100 points, c'est ça? Oui, à moi. Eh, hey, pas mal, 50 points. On est à combien? 320 pour vous, 410 pour elle. Ah, pardon. Est-ce que j'ai le droit de lancer une boulette de porc? Non, les crevettes, c'est plus dur. On n'a qu'à dire qu'elles rapportent plus de points. Vous n'arriverez jamais à rattraper mon score. Mes mains empestent la crevette, c'est répugnant. Ah ouais, sans blague. C'est tout l'ascenseur qui empeste la crevette. Tenez. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Un spectacle de danse? Oui, mais plus précisément. Mon ami m'a invité. Et vous? J'ai été invité par le biais de mon travail. Mon patron a eu des places grâce à un de nos mécènes, je crois. Et comme j'avais envie de sortir et de me dégourdir les jambes... Mince, c'est plutôt raté. Ouais. Attendez, chut. Je crois que la représentation est terminée. Oh. Eh oh! Il y a quelqu'un dans l'ascenseur? Au secours! Aidez-nous! On ne peut pas sortir! Oh, attendez! Sauvez-nous, par pitié, débloquez la porte! Vous êtes combien? Nous sommes trois. Tout le monde va bien? Non! Si! Je vais chercher de l'aide! Merci beaucoup! Oh, oh, ça y est, on est sauvés! Au fait, qu'est-ce qui était joué ce soir? Le lac des cygnes, c'est écrit là. La danse classique, c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est une version contemporaine? À vrai dire, je suis venu parce que je m'ennuyais chez moi. J'avais envie de prendre l'air. Vous devez avoir envie de plaire à votre patron pour vous infliger un spectacle qui ne vous intéresse pas. Ma foi, autant faire bonne impression. Alors qu'il est, votre patron doit penser que vous lui avez posé un lapin. Probablement. Dites-moi, si vous pouviez choisir d'être n'importe où, où seriez-vous? À 7 minutes? Non, pas forcément. Je serais ici. Pas dans l'ascenseur, mais... Mais je serais au spectacle. Avec ma mère. Je vois pas... Pourquoi pas ce soir? Parce qu'elle est morte, il y a des années. C'était une femme férue d'art et de culture. Elle trouvait que je ne m'y intéressais pas assez. Elle aurait adoré être là ce soir. De quoi est-elle morte? Elle est tombée malade. Et ça a fini par la tuer. Et vous alors, où seriez-vous? Dans mon atelier. Votre atelier? D'artisan? De peintre? De sculpteur? Je peins. Je suis qu'un peintre du dimanche, mais ça me fait beaucoup de bien. Ça me détend. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous vous attendiez plutôt à ce que je jardine? Non, un truc plus... Quoi? Masculin? Prévisible. Ah, tant mieux. J'aime autant ne pas être prévisible. Franchement, je m'attendais pas grand-chose de cette soirée, si ce n'est... serrer des mains, sourire et m'ennuyer. La danse, c'est jamais barbant. Oui, oui. C'était un choix par défaut. Mais... je suis ravi d'être là. Ravi d'être coincé ici? Ravi d'être coincé dans l'ascenseur, avec vous. D'ailleurs, je me disais qu'après cette mésaventure... j'aimerais vous revoir. Aidez-moi à ouvrir la porte. Mais...
Oh, merci, monsieur. De rien. Désolé pour le désagrément. Luc, vous voilà enfin. Navré, j'ai été retardé. Docteur Fredericks ? Vous étiez coincé. Mince, vous parlez d'une soirée de bienvenue. Ça t'a plu? J'espère que mon faux pas dans le premier acte ne s'est pas trop vu. Oh, en fait, je n'ai rien vu. Vous devez mourir de faim. J'ai réservé une table dans un excellent restaurant, et il est dans le quartier. Viens, je vais absolument te présenter à la troupe. Attendez, une minute. Je suis désolée que t'aies loupé la représentation. Moi aussi. Oh, j'y pense, tu peux me signer le programme? C'est pour une de mes petites patientes. Avec joie. Ce n'est que partie remise, tu reviendras me voir. Je vais essayer. Non, être bloqué dans un ascenseur. Bonjour l'angoisse. C'était pas si mal. J'ai fait une rencontre. Oh oui, comment il s'appelle? Luc, enfin je crois. Tu crois? On n'a pas vraiment fait les présentations, on y a échangé nos numéros. C'était sûrement rien, mais c'était agréable. Agréable? Docteur Fredericks. Ah, Claire. Monsieur Samuelson va pouvoir sortir. Malgré son problème cardiaque? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on attend? J'en ai aucune idée. Non, monsieur, restez calme. Bien, bonjour à tous. J'aimerais vous présenter le nouveau médecin qui rejoint l'équipe. Le docteur Luc Taylor. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle. April Park. Whitney Clayson. Kelly Workman. Claire Abbott. Rob Smith. Okay. Stanley Patel. Lindsay Hanson. Lena Wiley, infirmière en chef. Elle remplace temporairement celle qui vient de nous quitter. Vous rencontrerez le reste de l'équipe au changement de garde. Bien. Ravi de vous rencontrer. À plus tard. Docteur Taylor, je voulais vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Merci. Ravi d'intégrer le service. Excusez-moi. Oh, les hommes en blouse blanche sont tellement craquants. Oui, ils ont un petit truc en plus. $1 million supplémentaires à déclarer aux impôts. Claire, alors ce spectacle? J'ai pas pu le voir, mais j'ai pensé à toi, regarde. Génial. Qui l'a signé? Mon amie Serena, c'est une danseuse de la troupe. Waouh, merci. Pourquoi vous n'y étiez pas? J'y étais. Mais j'ai été coincée dans l'ascenseur et j'ai loupé la représentation. Oh, c'est pas vrai. Si, malheureusement, mais c'est pas grave. Un jour, j'assisterai à un spectacle dans cette salle et ce sera peut-être toi sur scène. Docteur Taylor? Oui? Quelle chance de vous avoir dans le service. J'aimerais vous inviter à boire un verre de bienvenue. Merci, mais je finis tard ce soir. Ah bon? Dommage. Une autre fois, peut-être? Docteur Taylor? Oui. Je voulais me présenter. Vous êtes Claire? Oui, et il se trouve que nous nous sommes déjà... Écoutez, je suis désolé, mais je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas là pour ça. J'ai intégré cet hôpital pour soigner les patients, et donc, pas la peine de venir me faire des courbettes, ça ne m'intéresse pas. Non, bien sûr. Je me disais bien que je connaissais cette odeur. Il sort du four. Qu'est-ce qui cloche? Rien. Mon œil. Tu cuisines quand ça ne va pas. Je te connais. L'homme que j'ai rencontré, il travaille à l'hôpital. C'est génial. Il m'a envoyé promener quand j'ai voulu lui parler. Ah, c'est pas cool. Il ne t'a peut-être pas reconnu. C'est possible, t'étais sur ton 31 et il devait faire sombre dans cet ascenseur. Je sais pas, c'est possible, oui. Mais il a même pas été poli avec moi. Peut-être que je me suis fait des idées. Et qu'il s'est rien passé de spécial entre nous. T'en es sûre? Il avait peut-être une bonne raison d'être froid, si ça se trouve. Ou bien il a déchanté quand il m'a vue en plein jour. De toute façon, vu comment il se comporte, je perds rien, non? Cette histoire dans l'ascenseur, c'en était pas une. Et puis c'est tout. Alors, vous vous plaisez?
Oui, c'est un excellent hôpital. Ça s'est bien passé hier? Très bien, les collègues sont sympas et les cas intéressants. Vous voyez qui est Madame Godfrey? La tumeur cérébrale. Oui, qu'y a-t-il? Elle est un de nos principaux mécènes. Elle a été admise ce matin. Veillez à ce qu'elle bénéficie du maximum de confort durant son séjour parmi nous. Pas de problème. Très bien, merci. Bonjour. Ah, bonjour. Ça vous ennuie si je nettoie le sol? Oh non, pas du tout. Ah. Vous voulez que je mette ça à la poubelle? Non, merci. Luc Taylor. Enchanté. Vous êtes médecin? La plupart de vos confrères adorent le préciser quand ils se présentent. Oui, je trouve ça légèrement... Ouais. Vous travaillez ici depuis longtemps? Ça fait pas loin de 5 ans. C'est un boulot stable. Et puis, les trucs à nettoyer, ça manque pas. C'est un peu comme les patients. Exactement. Je suis ravi de vous connaître, Jonathan. Pareil. À bientôt, Doc. Merci beaucoup. Tu devrais carrément postuler. Personne ne m'imagine infirmière en chef. T'es organisée, super efficace. T'aimes tes patients. T'es parfaite. Je peux dire la même chose de toi. Postule, toi. Ça me dit rien, le boulot d'encadrement. J'ai écrit une lettre de motivation hier soir. Ah, fais-moi voir. C'est excellent. En voilà. Je sais pas trop, mais te fais pas de film. C'est pas l'optimisme qui t'étouffe. C'est pas ça, mais j'ai pas de piston au bureau du personnel. T'as pas besoin de piston, puisque t'es parfaite pour ce poste. Disons que j'ai pas toutes les chances de mon côté. Y a Lena qui me prend la tête. Fais-moi revoir ta lettre de motivation. Merci, ma belle. Je la dépose au bureau du personnel en passant. Stanley! Tu le feras jamais, sinon. Bonjour, Claire. Bonjour, docteur. Il paraît que la cantine de l'hôpital est infecte. Je préfère ne pas tenter le diable. Je comprends. Écoutez, je suis désolé de vous avoir mal parlé hier. J'avais été très sollicité toute la journée et même assez lourdement dragué par certaines. Comme j'ai une femme en tête, ça m'a passablement agacé et j'ai passé mes nerfs sur vous. C'était parfaitement injustifié. C'est pas grave. En fait, quand je travaille, j'ai besoin de rester concentré. Je suis infirmière de métier, je sais exactement ce que vous voulez dire. Merci pour votre compréhension. C'est pas terrible. On fait mieux comme excuse, non? Ouais, j'avoue que c'est pas vraiment mon fort. Vous ne faites jamais de bêtises ou vous ne faites jamais d'excuses? Je m'excuse pas souvent. Disons que ce chapitre-là est clos. Merci. Lena, qu'est-ce qu'il y a? T'es au courant pour Claire? Non, dis-moi tout. Elle postule pour la place d'infirmière en chef. Ça ne fait rien? Elle sera pas prise. Comment tu le sais? Je vais m'en assurer. Claire? Les patients de la 414 et de la 417 attendent leur couverture. Je viens de leur donner. Et la poche de sérum fille de Madame Godfrey? Je l'ai changée. Monsieur Samuelson a besoin qu'on lui fasse sa toilette. Ces séjours à répétition à l'hôpital, pour rien, c'est Bibi qui les paie. Pendant que vous, vous vous faites un paquet sur mon dos. Les Toubib me donnent aucune information. Mon état empire et je repasse à la caisse. Malin. Pas question! Plus de prise de sang! Le docteur Fredericks et le docteur Taylor ont besoin d'un nouveau bilan sanguin. Et alors, ça leur donne pas le droit de me transformer en bonhomme d'aiguille! Monsieur Samuelson, tenez-vous tranquille, je vous promets de faire vite. Non, je vous dis, ces saletés d'analyse me coûtent une fortune! Tout ça pour que vous m'expliquiez ce que j'ai pas! Monsieur Samuelson... La dernière fois, une de vos petites collègues a manqué ma veine à 3 reprises! Et bim! Elle ne sait pas s'y prendre avec les patients. Ça fait un mal de chien, je vous signale. Ça pique, c'est horrible. Non, Claire, arrêtez. Je vous dis non, stop.
Lena. On est en sous-effectif pour cette nuit et t'as perdu à la courte paille. Oui, pour changer. Dépêche-toi. Je remonte. Mais pourquoi cette triste mine, Monsieur Starbuck? Ne voulez-vous pas chasser la baleine blanche? Auriez-vous peur de Moby Dick? Madame Godfrey. Je ne crains ni sa mâchoire de travers, ni la mâchoire de la mort non plus, capitaine Ahab. Si toutes deux se présentent au cours du travail que nous poursuivons... Madame Godfrey. Oh, docteur! Désolée, je ne vous ai pas entendu. Je suis complètement captivée par mon roman. J'aime tellement Jane Eyre. Le personnage de Monsieur Rochester me fascine depuis toujours. Ce n'est pas Moby Dick? Ah oui, Moby Dick. Je me suis trompée, on dirait. Un chocolat? Non, merci. Madame Godfrey, je souhaiterais qu'on discute de votre état de santé. Vous voulez que je change d'avis? La première tumeur grossit. Et maintenant qu'il y en a une deuxième, il n'y a plus de temps à perdre. Il existe des centres spécialisés dans le traitement de... Mais mes chances sont très minces. Oui. Ma foi, j'ai été gâtée par la vie. Bien plus que la plupart des gens. Ici, nous ne pouvons rien faire d'autre que de soulager vos symptômes. Ah, c'est déjà pas mal. Et je suis en excellente compagnie. Vous avez fait connaissance avec Claire. Cette jeune femme vaut le détour. Oui. Oh, Madame Godfrey. Laissez-moi faire mon petit, je m'en occupe. Je vais vous chercher de l'eau fraîche. Je reviens. Vous voyez, cette petite est attentive à mes moindres besoins. Quand on rencontre un être d'exception, il ne faut pas le laisser filer. Vous ne devriez pas rentrer chez vous? Oh, j'aime bien travailler quand c'est calme. Ah. Bonne journée. Oui, oui. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Oh, ça va, c'est seulement que... je me passe en boucle ce qu'une de mes patientes m'a dit. Qu'est-ce que c'était? Quand on croise une personne d'exception, on ne la laisse pas filer. Ouais, ça me paraît complètement évident. Pas aussi évident que ça, dans mon cas. Comment ça se fait? J'en sais rien. Allez, je vous laisse bosser. La laissez pas filer. Pardon? Ah, rien, c'est... Oui, en fait, c'est pas très compliqué. Ça veut seulement dire que vous devez faire votre maximum pour... que la personne en question fasse partie de votre vie. Et comment on fait ça? Faut un point de départ. Bonne soirée. Oui, madame, vos billets arriveront dans votre boîte de réception dans 10 petites minutes. Je vous en prie, merci. Oui, bonjour. J'ai rencontré quelqu'un lors d'une représentation du Lac des Cygnes, et depuis, je cherche à contacter cette personne. Oh, son nom? Si seulement je le connaissais, je serais pas là. Est-ce que vous auriez la liste des gens qui ont acheté des billets? Oui, mais nous ne la divulguons à personne, par respect pour nos clients. Oui, il ne s'agit que d'une personne, une femme plus précisément. C'est sûr, ça plaide pas en ma faveur. Et si je vous la décris, vous pourriez m'aider? Si je la connais, oui, peut-être. Ah, parfait. Alors, elle a mes cheveux longs, vous voyez, et aussi... Ah non, je vais pas y arriver. Si vous avez terminé, monsieur, il faudrait vraiment que je... Vous ne pouvez rien faire, c'est sûr. Billetterie du Metropolitan Center, que puis-je pour vous? Merci quand même. Oui, naturellement, il m'en reste. Son dernier bilan sanguin montre une augmentation des globules blancs. Elle s'alimente correctement? D'après l'équipe de nuit, elle a bu un milkshake et un peu d'eau. Salut, Peyton. On va devoir te faire une prise de sang. D'accord. Ta maman est là? Elle a dû s'absenter pour le travail. Alors Claire va te tenir compagnie. D'accord. Très bien. Appelez-moi dès que le labo aura les résultats. Oui, docteur. L'infection, c'est tout? Difficile à dire pour le moment. J'espère qu'il n'y a pas d'abcès. Est-ce que je vais guérir? Bien sûr. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord. Clive et moi étions capables de danser pendant des nuits entières. Ton mari était un excellent danseur.
C'est pas commun chez un homme mesurant 2 mètres. Oh, waouh. Comment se fait-il qu'un jeune homme aussi brillant n'ait toujours pas de femme à son bras? Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mais pourquoi pas Claire? C'est une jeune femme épatante. Je crains que ce ne soit pas une très bonne idée. Pourquoi? Invitez-la à sortir, je n'admettrai pas de refus. Madame Godfrey, je vous assure que... Invitez-moi de le faire. Oh? Si j'accepte... Vous devez me jurer de jeter un œil au traitement proposé. Vendu. Je vous préviens que je lui ferai subir un interrogatoire pour savoir si vous avez tenu votre promesse. Très bien. Bonne lecture. Ah, Claire. Docteur Taylor? Dites, j'ai passé un accord avec Madame Godfrey. D'accord. Et disons que vous faites partie de cet arrangement. C'est-à-dire? J'ai accepté de vous inviter à sortir si, de son côté, elle jette un œil aux options de traitement. Waouh. Qu'est-ce que vous en dites? On va manger un morceau après le travail? Bien sûr. Enfin, je veux dire, pour le bien de Madame Godfrey. Super. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet hôpital? J'aime bien cette région et j'avais envie de changer d'air. Vous arrivez d'où? De Cincinnati. C'était très différent d'ici. Pas tellement. C'est plus petit ici et c'est tant mieux. Plus l'hôpital est grand et plus il y a de paperasse, de complications, de rumeurs. J'y avais jamais pensé. Et vous, vous avez travaillé ailleurs? Jamais, non. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a le temps de parler aux patients. Et de passer des accords. Voilà. J'ignore si c'est sa tumeur qui explique le comportement de Madame Godfrey aussi. Ou si elle est comme ça. En tout cas, c'est votre plus grande fan. C'est sa tumeur qui l'a fait délirer. Rien de moins sûr. Pourquoi avez-vous choisi d'être infirmière? À cause de ma mère. Ah oui? Je crois que mes parents voulaient que je fasse médecine depuis toujours. J'ai suivi leur volonté sans réfléchir. Et puis, j'ai fini par aimer ça. Qu'est-ce qui a été le déclic? La pratique médicale en elle-même, je trouve ça fascinant. Et ça rapporte pas mal d'argent. J'allais prendre ma pause. J'ai seulement une toute petite question à vous poser. Je n'ai pas les numéros de sécurité sociale de nos clients. Très drôle. J'aimerais savoir qui était le traiteur le soir de la première du Lac des Cygnes. Pourquoi? Eh bien... J'ai besoin d'un traiteur et j'ai trouvé que celui-ci était excellent. Tenez, voici sa carte. Formidable, merci. Est-ce que ce sont les mêmes serveurs à chaque fois? Je vous demande ça parce que le service était vraiment irréprochable. Je ne sais pas, je ne travaille pas pour le service traiteur. Non, évidemment. Merci. Bien, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Je veux un cheeseburger. J'en vois pas sur votre menu. Le docteur Friedrichs dit que vous ne pouvez ingérer que des liquides. Pourquoi, hein? Il sait pas ce que j'ai, alors pourquoi il me prive? Je vais pas mourir de faim pendant que ce monsieur joue aux devinettes. Vous avez faim, c'est bon signe, je le dirai au médecin. Mais pour l'instant, choisissez ce que vous voulez manger sur cette carte. De la soupe. De la compote. Il y a aussi des esquimaux. J'exige que vous alliez immédiatement téléphoner à ce crétin pour lui dire que je veux de la vraie nourriture. Monsieur Samuelson... J'ai dit tout de suite! Mais je rêve. Je veux de la viande, pas de la soupe! Très bien, d'accord. Dites donc, vous, ce n'est pas une façon de traiter les gens. Occupez-vous de vos affaires. Je m'occuperai de mes affaires quand vous vous conduirez en adulte. Vous n'avez pas honte de faire un caprice à votre âge? On dirait un enfant. Sortez de ma chambre. Je sortirai de votre chambre quand vous changerez de ton. D'accord. Tâchez d'être aimable. Et on ne lève pas les yeux au ciel, monsieur. Voilà, je préfère. Vous savez,
Rien ne vous oblige à être malheureux. Mais c'est visiblement votre choix. Qu'est-ce que vous faites encore dans ma chambre ? Docteur Taylor ? Claire. Ça va ? Oui, je sors d'une garde interminable. Je vois ce que vous voulez dire. Une petite chips ? Volontiers. Merci. Vous pouvez conduire ? Ça va aller. Vous en faites pas. Alors vous avez eu une dure journée ? Ouais. Enfin, non, c'est pas ça. J'ai eu un patient atteint d'une paralysie partielle. Finalement, c'était pas ce que je craignais. Seulement, ce cas m'a rappelé un de mes anciens patients. Que s'était-il passé ? Rien. Je vous laisse. À plus tard. Reposez-vous. J'ai commis une erreur. Une erreur qui a laissé cet ancien patient paraplégique. Personne m'a incriminé, je n'étais pas responsable, c'était un coup du sort, mais... Enfin, bref, ce cas m'y a fait repenser. Je vois, certains cas nous hantent longtemps. Je suis désolée pour vous. Non, c'est moi. C'est moi qui suis désolée, le boulot, c'est le boulot. Merci. Je connais personne ici. Ça fait du bien de pouvoir parler. Je vous en prie. Comment ça va à l'hôpital ? Comme d'hab. J'ai besoin que tu me donnes un conseil. Ce serait bien la première fois. Tu t'es déjà fait des films au sujet d'un homme ? Je suis une femme, évidemment. Je suis sérieuse. Bon, d'accord. Oui, mais... En général, je m'en rends compte que quand c'est terminé. Si ça se trouve, j'imagine qu'il y a un truc entre lui et moi. Lui qui ? Le docteur Luc ? Je croyais que c'était un crétin. Eh bien non. Je le vois tous les jours, on discute... J'ai appris à mieux le connaître, et je n'arrête pas de penser à notre rencontre. Peut-être que lui aussi, il pense à toi. Ça m'étonnerait, il est attiré par une autre. Il me voit comme une simple infirmière. N'empêche qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non ? Sans aucun doute. Tu vois, c'est pour ça que tu viens jamais me demander conseil d'habitude. Mais je peux te distraire, je suis forte pour ça. Par exemple, ma liste de cadeaux d'anniversaire, tu l'as lue ? Non, j'avoue. Alors, il y a une carte cadeau pour des bouquins, une pédicure, une jupe trop mignonne que j'ai repérée. Tu vois, je suis sympa, je t'évite d'avoir à te creuser la cervelle. Je vois ça, je te laisse. Bonne répète. Attention, mon anniv, c'est dans quelques jours. Je risque pas d'oublier. À présent, tu vas inspirer à fond, s'il te plaît. Oui. Recommence. Les antibiotiques sont efficaces ? Pas autant que je le souhaiterais, mais voyons ça dehors. D'accord. C'est pas bon signe. Pas trop, non. Qu'est-ce qui cloche ? Ton infection s'étend apparemment. Je la mets sous prostacycline. Bipez-moi si vous voyez un effet sur sa tension. Faites-lui aussi une nouvelle prise de sang, même si on change son antibiotique dès maintenant. On n'attend pas le bilan sanguin ? On n'a pas le temps. Si l'infection se propage encore, on sera obligé de réopérer. Hé, Claire. Stanley, t'as fini ? Tu sais pas ce que je viens d'apprendre ? Une date a été arrêtée. La nouvelle infirmière en chef prendra ses fonctions à la fin du mois. Ça alors ? Ouais. Claire, va mettre de l'ordre dans le stock. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Tu t'en vas déjà ? J'ai une vie privée. Veille sur le service. C'est pas parce que je m'en vais que vous devez vous tourner les pouces. Oh, la soirée de gala de collecte de fonds pour l'hôpital a lieu bientôt, ça va être magique. Ah oui, sûrement. J'aimerais qu'un maximum de membres du personnel puissent y aller. Donc, tu seras de garde ce soir-là, hein ?
Bonjour, monsieur Samuelson. Ils viennent de qui, ces ballons? De moi. Ils sont... colorés. Ça vous va si je les mets là ou vous préférez que... Comment allez-vous aujourd'hui? Ma foi... Les médecins m'ont annoncé que je souffrais de ce qu'ils appellent une péricardite. Mais quelle en est l'origine? Ça, ils l'ignorent. Ils veulent garder mon cœur sous surveillance. C'est frustrant. Vous avez déjà passé du temps à l'hôpital? Enfin, je veux dire, en tant que malade. Pas en tant que malade, mais oui. Auprès de... Ma mère. Mais elle est morte. Oui. Les médecins n'ont rien pu faire. Ils ont essayé. Mais ils ont mis une éternité à comprendre leur impuissance, je parie. Oui, c'est parfois le cas. Et en attendant, le temps continue de passer. On est de plus en plus malade. Et les médecins n'ont aucune solution. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Des piles neuves, peut-être. L'horloge s'est arrêtée. Votre garde s'est bien passée? Pas trop mal. Est-ce que ça va? Oui, mais je m'inquiète pour Monsieur Samuelson. Vous voulez qu'on en parle? Non, je vais essayer de me changer les idées. Je vais marcher un peu. Vous voulez m'accompagner? Oui, volontiers. Vous êtes proche de votre famille? Oh, elle vit à 3 heures d'ici. C'est une bonne excuse pour ne pas aller à toutes les réunions. Vous n'aimez pas ça? La plupart des discussions tournent autour des problèmes de santé de mes parents. Oui, j'avoue que c'est pesant de devoir garder la blouse blanche alors qu'on veut juste passer un bon moment avec les siens. Je suis sûre que certains de vos amis font pareil. C'est vrai, mais ces amis-là, je les évite. Comme c'est mignon. Des t-shirts personnalisables. Vous en prenez un pour votre ours en peluche? C'est pas vraiment les ours que je préfère. Pourquoi pas un tigre, alors? Je préfère la tortue. Ah, j'aurais pas parié là-dessus. J'aimerais en offrir une à Péton. Ah oui, la fille à la péritonite. Oui, mais pas la tortue. Celle-ci. Oui, je suis sûr qu'elle aime les pingouins. Qu'est-ce que vous allez écrire sur son t-shirt? Je vais mettre... Que diriez-vous de... C'est pas une bombe, c'est qu'une appendicite. C'est pas très réconfortant. Alors pourquoi pas... câlin de soutien. Seulement si on précise, serrez doucement, patiente en post-op. Très chouette. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous m'avez parlé de votre erreur de diagnostic. Ah, oui. Pourquoi ça vous mine comme ça? Mon patient a perdu l'usage de ses jambes. Oui, mais en tant que médecin, vous savez bien qu'on ne peut pas toujours tout contrôler et que certains accidents sont imprévisibles. Pourquoi ça vous touche autant? Ce jour-là, personne ne m'a contredit. Aucun membre de l'équipe ne s'est opposé à moi ou n'a émis de doute. C'était pas leur rôle, bien sûr, mais je voyais bien... à la tête qu'ils faisaient, qu'ils pensaient que je faisais une bêtise. Si seulement ils avaient osé me le dire. Cela dit, je ne les aurais peut-être pas écoutés. Et c'est vrai, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Oh, je dois vous laisser, c'est l'hôpital. Une urgence? C'est Payton. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas exactement, il faut que j'aille voir. Est-ce que je viens? Non, vous n'êtes plus de garde. Vous lui donnerez? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuierait d'être plus précise? Péton, sa mère est en train de pleurer comme une madeleine. Oui, tu ferais mieux de pas t'en mêler. On n'est pas psy, Claire. Claire, j'adore mon pingouin, merci. Oh, génial. Comment ça va? Le nouveau médicament me faisait un drôle d'effet, mais le docteur Taylor l'a changé en urgence hier. Et ouais, je me sens beaucoup mieux. Super. Ta maman pleure dans le couloir. Ouais, elle a reçu un email de son patron qui lui apprend qu'il lui retire un projet. Elle le prend pas très bien. Oh, c'est vrai que
C'est affreux. Merci au docteur Maurice d'appeler le poste 118. Je répète, merci au docteur Maurice d'appeler le poste 118. Bonjour. Je cherche un de vos employés qui a assuré le service lors de la réception de la première du Lac des Cygnes au Métropolitan. Pardon ? Non, on a passé un moment ensemble et je me demandais si... Allô ? Allô ? Je retente. Bonjour, ici le docteur Taylor du Centre Médical Régional. Je prévois d'organiser une réception et... Et on m'a dit le plus grand bien de votre service de traiteur et je... Je souhaiterais en savoir un peu plus sur vos prestations et sur votre entreprise. Oh, oui, bien sûr, tout à fait. J'attends qu'on me rappelle. Bien sûr. Merci. Alors, vous préparez une fiesta ? Non, pas exactement. J'essaie de retrouver un être d'exception. Ah ouais. Et je me trompe ou c'est un peu compliqué ? Ouais, un peu. Vous savez, Doc, il me faut une bonne vingtaine de minutes pour nettoyer cette salle de pause, donc... Si vous voulez un coup de main... C'est toujours cette affreuse bonne femme qui dicte sa loi dans le service ? Lena ? C'est comme ça que cette chose s'appelle. Oui. Je voulais pas qu'elle pousse ses vilaines pattes sur moi, alors... Merci. Je vous en prie. C'est nouveau, ces irritations ? Ah, j'en ai de temps en temps. C'est à cause de l'air trop sec. Ou c'est de l'eczéma, ou je ne sais quoi. Luc ? Oh, je partais. Vous avez fini, vous aussi ? Bientôt, j'ai encore deux ou trois choses à faire. Monsieur Samuelson a des plaques rouges sur la peau. Mais encore ? Il n'en avait pas avant. Où ? Sur ses jambes. Ces plaques peuvent être... Un symptôme de lupus. Ou seulement de l'eczéma. Le docteur Friedrichs et vous pensez qu'il a une péricardite, n'est-ce pas ? C'est évident. C'est aussi un symptôme de lupus. Et celui de 100 autres pathologies, comme l'éruption cutanée, d'ailleurs. Mais entre ces symptômes et les antécédents... Claire, j'apprécie que vous vous impliquiez. Mais c'est moi le médecin. D'accord. Je dois répondre. Allô ? Ah oui, merci de me rappeler. Je suis contente de te voir. Joyeux anniversaire. Je pensais que tu préférais fêter ça avec tes parents. Oh, j'avais pas le courage de supporter leurs remarques sur le célibat, les études et ma lubie idiote pour la danse. Désolée. Et le lac des cygnes, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Ils ne sont pas venus. Oh, c'est dur. C'est pour moi, ça ? Oui. J'ai pas l'impression que c'était sur ma liste, ça, ma petite demoiselle. Un test d'évaluation de carrière personnalisé. On ne fait pas mieux dans le genre. Je me suis dit que ça pourrait t'aider à y voir plus clair. Génial. C'est trop, t'aurais pas dû. Joyeux anniversaire. Merci. Oh, est-ce que... Oui, je vous reconnais. Il paraît que vous me cherchez. À vrai dire, c'est la femme qui était coincée avec nous que je cherche. Peut-être que vous pouvez m'aider. Vous n'avez pas son numéro ? Non, elle a disparu avant que je... Non, je l'ai pas. Je l'avais jamais vue de ma vie. Je pensais que vous la connaissiez, vu comment vous vous tourniez autour. Ah oui ? Ouais, la pire soirée de ma vie. Carrément. Ouais. Je sais pas, vous vous rappelez peut-être un détail ? Non, même pas son prénom. Ah, quoique... Quoi ? Elle a dit qu'elle rejoignait quelqu'un. Ouais, si seulement je savais de quelle fille il s'agissait. C'est pas ce que je voulais dire. C'était pas forcément une fille. C'était peut-être un homme. Non, non, elle a dit que son ami l'avait invité, pas son petit ami. Ouais. Les femmes aiment bien entretenir le flou. Elle n'est peut-être pas célibataire, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Attendez. Elle avait eu son billet par un des membres de la troupe. Ah ouais, comment ça ? Par une des danseuses ? Je suppose. Mais là encore, c'était peut-être pas une fille. Non, monsieur.
Vous faites des heures sup? En quelque sorte. Vous savez qu'on cherche une nouvelle infirmière en chef? J'ai présélectionné des candidates, mais j'aimerais avoir votre avis. D'accord. Quand? Oh, nous verrons ça plus tard. C'est l'effervescence avec la collecte de fonds, mais je compte prendre une décision juste après. Très bien. Parfait. Claire. Oui? Vous avez une minute, il faudrait que je vous parle. Oui? J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit au sujet de Monsieur Samuelson. Ce serait un cas de lupus atypique, mais il y a eu en effet plusieurs alertes ces dernières années, et je pense que ces alertes ont pu masquer le vrai problème. Quelles alertes? Eh bien, il a d'abord eu un AVC, quelques années plus tard, des problèmes rénaux, de l'arthrite. Pris isolément, ces symptômes n'ont alerté personne. Maintenant, il y a aussi la péricardite. Et l'éruption cutanée. On va tout repasser en revue avec le docteur Friedrichs, y compris le dernier bilan sanguin. Mais on tient le bon bout. Bravo. Vous avez l'air ravi, pourtant ça n'a rien de réjouissant. Non, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est déjà ça. Après quelques examens complémentaires, il pourra sortir et apprendre à vivre avec sa maladie. Lui qui voulait désespérément une réponse. Il l'a enfin grâce à vous. Je n'ai rien fait. Si, Claire. Vous avez eu le courage de m'exposer votre idée et je vous ai rabroué. Je m'en veux. Merci, Luc. Hé, vous avez un peu de temps. Venez. C'est une remise qui appartient à mon propriétaire. Il me la prête pour... Que vous puissiez peindre. Voilà. J'ai connu un médecin. C'était mon mentor. Qui conseillait à ses étudiants de sortir de la routine en pratiquant une activité complètement opposée à leur quotidien pour éviter de péter les plombs. Qu'est-ce qu'il était ? Chirurgien. Et son hobby à lui, c'était de se promener dans les bois avec sa tronçonneuse. Oh, sans rire. Sans rire. Il pouvait couper sans toute cette pression sur les épaules. Et ça, c'est mon truc à moi. C'est très personnel. Un peu, oui. À vous. Essayez. Changes in the air, caught me unaware. Promise me you'll stay. Let's just take our time. There's no finish line. Let's not rush the time away. J'aime beaucoup. Every day we're getting closer. Vous avez ça dans le sang. Incroyable. A little bit closer to your heart, a little bit longer till I start to fall for you. Yeah, I'm gonna fall for you. A little more time till I love you. A little bit closer to our dreams are coming true. Ces toiles sont terminées? Oui. Pas mal du tout. Arrêtez, elles sont horribles. Ah non, j'aime bien. Ah oui? Laquelle? Celle-ci. Pourquoi? J'aime les couleurs, la composition. On dirait une lumière qui brille dans l'obscurité. Je l'ai peinte il y a quelques semaines. En combien de temps? Ça m'a pris un week-end. Elle est magnifique. Oh, vous avez de la peinture sur la figure. Bougez pas. Je vais vous l'enlever. Voilà. Je suis désolé. Il ne faut pas. Si, si. Je veux pas compliquer les choses. J'aurais pas dû franchir cette limite. Ok. Non, on travaille ensemble. Oui. Ce serait délicat. Je ferais mieux de partir. Ne le prenez pas mal. Je vous l'ai dit, il y a une autre femme.
Je m'en vais. Mais il me semblait pourtant que je ne vous laissais pas indifférent. Au revoir. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. On dirait bien. Je veux pas blesser Claire. Elle vous plaît, alors pourquoi vous ne vous mettez pas avec elle? C'est vrai, elle me plaît. Seulement, j'arrête pas de penser à l'autre femme. Ah, la fameuse femme mystère de la panne de l'ascenseur. Celle-là, oui. Si ça se trouve, vous vous êtes emballé pour rien. Ouais. D'accord, mais imaginez, vous la retrouvez, et finalement, cette femme ne correspond pas à ce que vous espériez. Je sais pas, mais il faut au moins que j'essaie. Ouais. Bougez-vous, alors. Voilà, je peux pas... Je peux pas laisser tomber avant de savoir qui elle est. Je dois retourner bosser. Merci, Jonathan. Y a pas de quoi. Faites attention, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Si vous ne retrouvez pas votre inconnu, vous l'aurez sacrifié pour rien. Pas de panique, c'est pas vous que je viens voir. Excusez-moi. Je peux vous aider? Oui, j'ai une question qui peut paraître étrange à vous poser à tous. Vous permettez? Et vous êtes? Luke. Luke Taylor. Et j'ai besoin de réponses. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Nous avons un invité surprise. Salut. Navré de vous interrompre en plein travail. Je suis à la recherche d'une jeune femme. J'ai fait sa connaissance ici le soir de la première. Elle avait été invitée à la représentation par un des danseurs de votre troupe. Évidemment, vous étiez nombreux à avoir invité des proches, je suppose, mais elle a été coincée dans l'ascenseur. Vous en avez peut-être entendu parler par quelqu'un qui était présent? Non? Ça vous dit rien? Vous êtes sûr? On doit se mettre au travail. Ah. Oui, je comprends. Excusez-moi encore. Allez, tout le monde en place? Désolée pour le retard. Salut. Salut, Doc. Vous renoncez? Mes recherches ne donnent rien. Je suis dans l'impasse, alors. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Vous êtes sûr? Merci. Lâchez rien. Vous êtes prêt pour la réception de demain soir? Mon smoking est dans les starting blocks. Je vous préviens, on va vous tourner autour comme des mouches autour d'un pot de miel. C'est l'effet médecin. Pas de souci. Nous sommes ce qui rend cet établissement si précieux. Oui. Au programme, poignée de main et sourire éclatant sur les photos. Pourvu que je n'ai pas de salade coincée entre les dents. Ah, il vaudrait mieux pas. J'ai seulement pris un peu froid, c'est trois fois rien. Vous savez aussi bien que moi que le moindre rhume peut avoir de graves conséquences. Ah, ce ne serait peut-être pas plus mal. Donc vous refusez tout traitement? C'est pas si grave, la mort. La plupart de mes amis et de mes proches sont passés par là, pourquoi pas moi? Pensez à vos enfants. Oh, ils me comprennent. Je les ai préparés. On n'est jamais préparé à voir souffrir quelqu'un qu'on aime. Madame Godfrey, non. Pardon. Je repasserai. En voilà un moment délicieusement gênant. Vous vous êtes rapproché? Non. Il vous a tout de même invité à sortir.
Oui. Et ? Ça n'a rien donné. Oh, non, attendez une seconde. Vous devriez vous avouer les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Ça ne changerait rien, je vous assure. Profitez de la réception dont tout l'hôpital parle depuis des semaines. Ce genre d'ambiance romantique est propice aux déclarations. Je n'y souhaite pas. Je suis de garde ce soir. Puis de toute façon, Luc est attiré par une autre. Comment ça ? Aucune ne vous arrive à la cheville. Cette soirée s'annonce exceptionnelle. Claire, en plus d'assurer la surveillance des patients, tu rangeras le stock. Je l'ai déjà fait il y a quelques jours. Oui. Et c'est du grand n'importe quoi. Oh, et on a été débordés toute la journée. Tu seras gentille de trier et de classer la paperasserie. Il faut refaire le pansement de la 418. La plaie n'en finit pas de suinter. Il paraît que le docteur Frederick s'a demandé à me parler. Oh. Il veut sûrement discuter de mon avancement. Amusez-vous bien. Compte sur nous. Oh, ne boude pas. C'est seulement une soirée. Mais c'est peut-être davantage pour toi. Hein? J'ai bien remarqué que tu tournais autour du docteur Taylor ces derniers temps. Tu ne pensais quand même pas avoir une chance avec lui ici. Oh. Bonne soirée. Bonsoir, Madame Godfrey. Vous permettez que je fasse le ménage? Bien entendu, je vous en prie, entrez. Dites-moi, Jonathan, est-ce que vous connaissez Claire? L'infirmière? Oui. Oui, madame. Accepteriez-vous de me rendre deux petits services? Avec joie. Il y a encore une tache là. De la part de Madame Godfrey. Qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Hein? Bonsoir, ma grande. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Tu fais quelle pointure? Un bon 38. Oh! Et regardez ce que j'ai trouvé. Oh! Une robe super. Oh non, voyons. Ben quoi? C'est pas une robe de cocktail, c'est une chemise de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben c'est la seule chose qui ressemble à une robe à la boutique de l'hôpital. Ah. Écoutez une minute. Très souvent, les patients quittent l'hôpital en laissant des vêtements derrière eux. Comme cette robe qui est là depuis des mois. Ben, je comprends pourquoi. Attendez, il y en a d'autres. Celle-ci, oh, peut-être. Oh, je l'adore. Regardez comme elle brille. Oh non, ça ne convient pas du tout. Très bien. Oh. Et voici la dernière. Oh, elle est vraiment jolie. Elle est tout simplement parfaite. J'espère que la boutique acceptera de me rembourser. Et elle ira à merveille avec tes chaussures. Mais c'est pour qui? Pour quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce. Là-dedans, elle sera divine. Oh, parfait. Merci, Peyton. Attention, vous allez la froisser. Mais non, enfin. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh. Je n'y suis pour rien. Tout est sa faute. Taisez-vous donc. Pas trop stressé pour la soirée? Quoi? Vous allez à cette soirée. Comment ça? Je lui ai dit que c'était de la folie. Mais les trucs dingues paraissent normaux aux gens siphonnés. Ça ne veut strictement rien dire. Je ne veux rien entendre. Vous allez à cette réception et vous dites enfin à Luc ce que vous ressentez pour lui. Bon, allez, chacun retourne gentiment dans sa non, chambre. Non, je ne bougerai pas d'ici tant que vous n'aurez pas dit oui. S'il vous plaît, Madame Godfrey. Je suis sérieuse. Vous n'êtes pas raisonnable. Voilà. Venez avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends le relais. Vous devez vous dépêcher. Écoutez, c'est très gentil de votre part à tous, mais je ne peux pas tout laisser en plan. Fonce. Je gère. Tu es de repos, Stanley. Je m'ennuyais chez moi. Ne me dites pas que vous n'avez pas envie de le voir. Qui ça? Le docteur Taylor, c'est simple pourtant. Claire, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui et je sais que tu ne le laisses pas indifférent. Mais je crois qu'il vaut mieux que tu saches qu'il a le béguin pour une autre femme. Bon, ceci dit, c'est pas forcément très sérieux. Il l'a rencontré qu'une fois, un spectacle de danse, un truc comme ça, bref. Et depuis, il arrête pas de penser à elle. Passez-moi la robe. Génial.
Vous êtes sublime. C'est vrai que vous n'êtes pas mal. Merci. Amusez-vous bien. Je peux enfin me remettre au lit. Je dois retourner. C'est fini pour ce soir. Bon. Je meurs littéralement de faim. Ouais, pas de souci. Tant qu'on prend pas l'ascenseur. Je suis parfaitement d'accord. Mais allez faire comprendre ça. Ouvrez la bouche. Délicieux. Ah, ouais. C'est sûr qu'ils se sont pas moqués de Tu voyais ça comment? Léna? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je... Hé, hey, Léna! Claire! C'était en mars. J'ai été ravi de vous connaître. Ravi. On s'appelle dans la semaine, ça vous convient? Bonsoir. Vous êtes superbe. Merci. Vous aussi. Merci. Je suis sincèrement désolé pour l'autre soir. J'étais en plein questionnement personnel et je vous y ai mêlé malgré moi. Je comprends très bien. Je suis là parce que j'ai quelque chose à vous expliquer, moi aussi. Bien, allez-y. Vous m'avez plu dès notre première rencontre. Et je pensais que moi aussi, je vous avais plu. Mais plus tard, quand j'essayais de vous en parler, vous m'avez clairement fait comprendre que je ne vous intéressais pas. Alors j'ai cru qu'il n'y avait rien à espérer. Ces derniers jours, j'ai passé mon temps à réfléchir encore et encore aux sentiments que j'éprouve pour vous. Comment oses-tu? Pourquoi est-ce qu'elle vous dit ça? Pour rien, je vais vous expliquer. Tu vas expliquer quoi? Que tu as abandonné ton poste et nos patients par la même occasion? Stanley... Claire est censée être de garde. C'est comme ça que tu te conduis après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'as jamais rien fait pour moi à part me rabaisser et me compliquer le travail. Je passe mon temps à faire en sorte que tu ne commettes pas d'erreur. Pour que nos patients soient bien soignés, nous devons tous nous comporter de façon professionnelle. Mais tu n'en es pas capable. Stanley me remplace, il n'y a pas... Stanley? Est-ce que tu peux être égoïste? C'était sa soirée de repos. Combien de fois faudra-t-il que je te répète que nous formons une équipe? Luc, écoutez... C'est Dr. Taylor, Claire. Cette fois-ci, tu es allé trop loin. Je suis navrée. Nous avons fait de notre mieux pour vous protéger de l'attirance déplacée que Claire a manifestée pour vous. Je t'interdis de dire ça. Tu te sers du Dr. Taylor parce qu'il a son mot à dire dans le choix de la prochaine infirmière en chef. Quoi? C'était quoi non. L'idée d'essayer de le faire chanter pour obtenir une promotion, c'est ça? Je vous jure que non. Quoi? Comment ça? Ça suffit, Claire. J'en ai plus qu'assez. L'hôpital ne peut plus tolérer tes manigances. Tu es renvoyée. Il vaut peut-être mieux que vous partiez. Je vous en prie, Luc. Ne faites pas de scandale. Oui, je l'ai déjà vu. Tu ne t'es pas défendue. J'ai essayé. Pas suffisamment. Tu pourrais éviter de me faire la main. Je t'en prie, Claire, tu te laisses marcher sur les pieds sans rien dire. Je travaille dur, j'estime que ça devrait suffire. T'aurais dû dire la vérité à Luc. T'aurais pas dû laisser Léna raconter n'importe quoi pour... Tu peux arrêter, s'il te plaît.
Quand est-ce que tu vas te décider à agir? C'est comme pour ton canapé, là. T'aurais dû retirer le plastique depuis longtemps. Alors oui, il arrive parfois qu'on se trompe de chemin dans la vie, mais si on prend pas de risques, on n'arrive nulle part. C'est toi qui me parles de prendre des risques. Tu suis des cours du soir depuis des années parce que tu n'oses pas imposer à ta famille ta passion pour la danse. Tu as 30 ans, Serena. L'âge de faire ce que tu veux. Ça va. J'ai déjà mes parents sur le dos, j'ai pas besoin que tu t'y mettes toi aussi. Je vais te dire, Claire. Si on n'est pas prêt à se battre pour ce qu'on veut, c'est qu'on le mérite peut-être pas. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, mais je suis venue te remercier pour les chaussures. Et te dire au revoir. Au revoir? Vous partez? Disons que je tourne une page. Oh, merci d'avoir pris soin de moi. Ça a dû t'en prendre du temps. Pour essayer de conquérir son cœur. Tout ça pour rien. Si seulement tu avais vu sa réaction, il s'est senti trahi. Enfin, la vie va reprendre son cours normal puisque tu t'en vas. Pourquoi tu m'as fait ça? Je représentais une telle menace pour toi? Une menace? Toi, tu plaisantes. Qu'est-ce qu'elle s'imaginait? Va savoir, bon débarras. Elle va retrouver une place, tu crois? J'en sais rien, je m'en fous. Moi, j'ai de la peine pour elle. Pourquoi? Elle doit déjà être en train d'essayer de piéger une nouvelle proie. Ouais, je l'imaginais pas du tout manipulatrice. Comme quoi, on connaît jamais vraiment les gens. Et non. Whitney, le patient de la 421 n'arrête pas de sonner. Son bassin s'est renversé dans son lit. Va nettoyer. Pourquoi moi? Bonjour, Madame Godfrey. Pauvre imbécile. Je vous demande pardon. Je ne sais pas comment vous vous y êtes pris, mais vous avez tout gâché. Bien sûr, les hommes sont d'indécrottables idiots. Madame Godfrey, concentrons-nous sur votre état de santé. Non. Je peux mourir demain matin, ça ne me pose aucun problème, parce que je n'ai absolument aucun regret. Pouvez-vous en dire autant, Luc? Claire? J'apporte des beignets. À la confiture? Waouh! Tu l'as fait? C'est le seul changement qui ne dépend que de moi. Mais c'est qu'il est confortable sans son plastique, ce canapé. T'en es sûre? J'ai passé ton fameux test. C'est vrai? Alors t'as pas échangé mon cadeau? Non. Ça m'a aidé à prendre une décision. J'arrête les cours du soir. Tu te fiches de moi? Non. Ça dit que je suis faite pour une carrière artistique. Je vais tout miser sur la danse. Ouais, c'est décidé.
mais en professionnel. Je vais m'investir à 1000%. Peu importe la vie de mes parents. Je suis heureuse pour toi. Et toi, tu vas faire quoi? Eh bien, je sais pas encore. Alors, Monsieur Samuelson, vous nous quittez? Oui, c'est pas trop tôt. Nous sommes en mesure de vous soulager à présent. Moi, Claire. Qui ça? Levez pour les yeux, tout machin! Claire. L'infirmière. La seule qui était fichue de trouver ce qui clochait chez moi. Je vois. Eh bien, elle ne travaille plus ici. Je vais prendre votre tension une dernière fois avant de signer vos papiers. C'est pas vrai, vous l'avez mise à la porte. Nous n'avons pas pour habitude de discuter de ce genre. Vous êtes un imbécile fini, docteur. Laissez-moi deviner. Vous avez remplacé la petite Claire par l'autre vipère. Nous avons mis une personne compétente. Vous n'avez donc aucune idée de ce qui se passe dans votre propre service. Commencez par détacher les yeux de votre écran tactile de tablette techno machin chouette. Comme ça, vous verrez que ce démon en jupon qui tyrannise tout le monde n'est même pas fichu de faire son travail. Pour elle, les patients sont une source de dérangement. Et vous, vous avez viré une jeune femme dévouée qui avait vraiment du respect pour les patients. Une professionnelle humaine et à l'écoute, contrairement à vous et au reste de l'équipe. La seule qui était vraiment capable de comprendre de quoi je souffrais. Signez ces satanés papiers. Et laissez-moi sortir d'ici. Bien. Tu vas te décider à y aller? C'est le crado de la chambre 415. Et pourquoi c'est moi qui devrais me le coltiner? C'est ton patient. C'était mon patient. Plus vite que ça. C'est le docteur Fredericks. Écoutez, je crois que je n'ai pas été juste avec vous et je pense que j'ai commis une erreur dans l'attribution du poste d'infirmière en chef. J'aimerais en discuter avec vous. Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. Au revoir, Peyton. Fais attention à toi. Docteur Taylor? Il s'est passé quoi avec Claire? Parfois, il arrive que... que les gens ne soient pas ceux qu'on imaginait. Ne tracasse pas avec ça, et surtout, repose-toi. Hein? Hey. Où est-ce que t'as eu ce programme? C'est Claire qui me l'a donné. Parce qu'elle sait que j'aime la danse. C'est très beau, moi, ce qu'on m'a dit. Claire ne l'a pas vu. Elle a été coincée dans un ascenseur pendant le spectacle. Ça va, docteur? Oui, oui, ça va. C'est Claire qui t'a dit ça? Ben oui. Prends soin de toi, Peyton. Au revoir. Merci. Salut, c'est Claire, laissez-moi un message. Claire, bonjour, c'est Luc. Je tenais à vous dire que j'étais vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Rappelez-moi, d'accord? Les desserts ont l'air trop bons. Je vais garder de la place pour le cheesecake. Laissez-moi un message. Oh, elle veut toujours pas décrocher, hein? Toujours pas. Peut-être que... oui, que vous devez changer de stratégie. Mais surtout, vous ne devez pas abandonner. Ouais, ce serait dommage après tant d'efforts, non? Non, je baisserai pas les bras, seulement... je sais pas... qu'est-ce que vous allez lui dire? Il faut que je fasse des courses. Je sais pas ce que ça veut dire, moi je cuisine jamais. Tu vas bien grignoter un petit quelque chose puisque t'es là. Pour moi, cuisine et maison, ça veut dire livrer à domicile.
être le livreur de pizza. T'en as commandé, c'est ça? Claire Abbott? Oui. Une petite signature. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Bonne journée. Wow, ça vient de qui? De Luc. Comment tu le sais? Je mérite tout le mal que vous devez penser de moi, mais soyez indulgente. Et retrouvez-moi là où les peluches choisissent leur t-shirt. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce message? Tu le comprends, toi? Est-ce que tu veux y aller? Je sais pas. T'en es où avec lui? Tu réponds pas quand il t'appelle? Il m'a vraiment blessée. Je suis très en colère, mais malgré tout ça, il me manque. T'as répondu à ma question. Bon, bah, je me commande une pizza. Bonjour. Bonjour, je... J'arrive tout de suite. Monsieur ? Les ours, c'est pas si bien que ça. Je crois que tout est dit. Je suis content de vous voir. Très bien, mais pourquoi vous m'avez demandé de venir? Parce que j'ai compris que j'avais été non seulement aveugle, mais aussi assez lâche. Je me suis laissé influencer par des médisances que je savais pourtant fausses, et j'en suis navré. Si seulement je pouvais revenir en arrière... Ça ne fait rien. Je comprends pourquoi. Mais ça ne m'excuse pas. Vous savez, cette toile, je l'ai peinte pour une raison précise. C'était juste après une drôle de mésaventure qui m'est arrivée. J'étais coincé dans un ascenseur avec un jeune serveur claustrophobe et une femme mystérieuse. Cette rencontre m'a littéralement ébloui. Mais les circonstances ont fait que je n'ai pas pu savoir qui était cette femme. Je suis rentré et j'ai peint cette toile dans la nuit. Cette clarté, au milieu des ténèbres, c'était toi. Tu avais illuminé ma soirée. C'était pas plutôt ton portable dans l'ascenseur? Mais j'ignorais que c'était toi. Après cette soirée, j'ai passé un temps infini à essayer de découvrir l'identité de cette fameuse femme mystère. Elle avait quelque chose de si spécial. À côté de ça, j'ai fait ta connaissance à l'hôpital. Tu m'as tenu tête quand il le fallait, tout en restant à l'écoute et attentive. Je me sentais bien avec toi. Au point de tomber amoureux. J'ai fini par me rendre compte que j'étais à la fois l'homme le plus stupide et le plus chanceux du monde. Je me suis fait des nœuds au cerveau à essayer de ne pas trahir les sentiments que j'éprouvais pour deux êtres humains absolument exceptionnels. Qui ne sont qu'une seule et même femme. Tu n'as rien à me dire? N'oublie jamais que la championne du lancer de crevettes, c'est moi. Ta place à l'hôpital, est-ce que tu veux que j'intervienne? Je peux régler ça toute seule. Je repasserai vous voir demain matin. Madame Godfrey, où allez-vous comme ça? Je descends à la boutique. Je n'ai plus rien à lire. Vous voulez je que... Je l'accompagne. Oh, merci, jeune homme. À urine percée. Whitney, quand un
patient sonne, aurais-tu l'amabilité de bien vouloir te lever pour aller le voir? Bureau des infirmières? Ah! Dernière représentation du lac des Cygnes. Ce serait dommage qu'on le loupe encore une fois. On n'a qu'à prendre les escaliers. Je sais pas. Être coincé dans l'ascenseur, j'aime bien. Thank you.